Jean, trahison. Manuel Valls, trahison. Victoire du Villard. Oh, ça commençait à être lourd, hein. Vous pouvez pas le rater, celui-là. Vive la 6ème République. Les gens ont des problèmes d'existence quotidienne. Leur problème, c'est pas les mosquées, la religion, je sais pas quoi. Et c'est ça que ça montre. Et c'est un mouvement qui est très puissant. Vous allez faire le tour, regardez qui est dedans, et vous allez voir toutes les catégories du peuple français qui sont là. Et en ce sens, c'est une bouffée d'oxygène dans la vie du pays. Ce que me disent mes amis, c'est que alors qu'on pensait qu'il y avait un grand état d'abattement, ce n'est pas le cas. Et que partout, il y a de la revendication, il y a de la rage, mais bien sûr, les gens ont beaucoup de mal à trouver l'angle par lequel attraper leur problème. Parce qu'on ne parle pas d'eux, ils ont l'impression que les luttes sont isolées, mais ce n'est pas le cas. Mais je crois que oui, c'est un signe avant-coureur, une journée comme aujourd'hui. Et le problème, c'est vraiment l'austérité. J'ai entendu dire des gens que non, il n'y avait pas d'austérité dans ce pays, mais ils ne sont jamais sortis de chez eux. Ils n'ont jamais été aux urgences à l'hôpital. Ils n'ont jamais été voir l'école de leurs enfants. Ils n'ont jamais été voir tous les services publics du pays sont frappés à mort. Et donc avec la qualité de la vie, la douceur de la vie. À la Grèce encore, la France, c'est pas la Grèce. Hein. Ils le feront sans difficulté, ils vont vers ça. Les exigences qui sont présentées à la France sont les mêmes que celles qui sont présentées à la Grèce. Et chaque fois que vous avez répondu à un cahier des charges, dans un an, c'est une agression, ce sont des actes de guerre qui fait les liquidités à la Grèce, des actes de guerre absolument illégaux, parce que sur le plan des traités européens, la Banque centrale ne devrait pas avoir ce pouvoir. Donc on voit que les puissances qui gouvernent l'Europe, et en particulier le gouvernement allemand, ne connaît aucune limite à la violence. Pour laisser ces pauvres gens s'approcher, quoi qu'ils ne soient pas en grève. On ne sait pas comment on doit leur parler, ils ne sont pas en grève. Hein. C'est la première fois depuis 30 ans qu'une grève générale interprofessionnelle est appelée par son nom et qu'il y a une marche nationale. De ce que me disent les amis, il y a un grand ressort de capacité, de volonté de lutte. Et moi, je vis ça comme une espèce de bouffée d'oxygène et de respiration. Parce que bon, ça fait des mois qu'on nous bassine avec des histoires de religion, avec des histoires ethniques et tout ça. Et enfin, on voit le pays social réapparaître avec ses problèmes, ses ambitions. Et bon, c'est ça qui compte. Et vraiment, c'est une respiration pour nous. Ben, les revendications, ça rappelle qu'il y a un peuple travailleur, quoi. Des gens qui sont salariés, qui ont des préoccupations sur leur contrat de travail, sur leur capacité à être défendue, sur la manière de travailler. Bon, les importants ne se rendent pas compte de ça, mais allez faire un tour dans un service d'urgence et vous allez voir des gens qui n'en peuvent plus, qui travaillent, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, sans trêve ni repos, et dans combien de services publics comme ça? Et donc le pays vit toujours à la limite de la dislocation, de la tension de ses forces, et c'est ça qu'aujourd'hui qui s'exprime. Faites le tour et vous verrez que c'est ça dont vous parlent les gens, du travail, de sa beauté, du service qui est rendu, mais aussi des souffrances au travail, de la difficulté qu'il y a à être toujours moins nombreux pour faire toujours plus de travail. Est-ce que vous avez un message pour le gouvernement qui dit qu'il n'y aura pas de changement de cap? Ah oui. Eh bien, il l'enculera. C'est ça mon message. On ne peut pas être élu par tous ces gens, les tromper sans arrêt, et nier leur existence, nier leur colère, ne tenir aucun compte de rien. Et je vous dis que je vis très mal que le président de la République et le Premier ministre, aujourd'hui, jour de grève générale interprofessionnelle, reçoivent les représentants des syndicats patronaux. Je trouve qu'il y a là quelque chose d'extrêmement choquant et de volontairement blessant. Pour ces milliers de gens qui sont ici, parce que pour toutes ces personnes, être ici, ça signifie un sacrifice sur son salaire, ça signifie un sacrifice sur son temps, des heures de déplacement, et tout ce que le président de la République a à leur dire, je reçois vos employeurs. Non, franchement, il y a quelque chose qui ne tombe pas rond dans ce pays. D'abord, François Hollande a laissé tomber la gauche, mais ce que je peux vous dire, c'est que la gauche l'a laissé tomber lui, et que c'est bon débarras. C'est clair, voilà. We'll be right back.
de me faire venir. De syndicats et sur un mot d'ordre de grève générale interprofessionnelle. Les mots qui sont utilisés sont importants. Et pour nous, il est évident qu'une journée comme celle-là, c'est un moment de respiration pour le pays après des mois et des mois de harcèlement sur les thèmes ethniques, religieux, qui n'ont aucun rapport avec la vie très vivante.